Merci beaucoup. Je vois que j'ai mis les chansons contestataires, les contest songs. Comme faisait Woody Guthrie, comme ça s'est fait aussi en France tout le temps, c'est une vieille tradition. Alors la prochaine reste dans la lignée, puisque je ne sais pas si vous savez, hein, vous êtes tous amateurs de jazz, de blues, donc vous savez qu'on dit le blues est la musique du diable. Vous avez entendu ça. Hein. Donc je ne vous ferai pas l'injure de vous demander si vous connaissez Robert Johnson, qui selon la légende aurait vendu son âme au diable pour devenir le plus grand musicien de blues de tout le Mississippi. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas YouTube, tout ça. Donc le Mississippi, ça lui suffisait. Il allait être le plus grand musicien de blues de tout le Mississippi, ça lui allait très bien. Eh bien moi, je pense que le diable, il n'est pas dans la musique. Il n'est pas dans le blues non plus. Le diable, il est ailleurs. Et vous allez voir avec cette chanson, vous voyez, je suis sûr que vous le savez déjà, mais je pense qu'on est d'accord. Ça s'appelle « Diable de cri ». Thank you.